Chers internautes, chers téléspectateurs, tout le monde en beauté, abonnez-vous sur Doudou Montiri TV. Abonnez-vous massivement à Doudou Montiri Télévision. Vous avez des informations à la source. Toujours sur l'actualité, na Panzama Solo, na invité à le cadre na MLC, Maître Fabrice Pelende, Torobela. Investiture et gouvernement le 24. Est-ce qu'il y a au Salema? Parce qu'il y a des députés révolutionnaires au Pays Basque au Sénégal, Makambébélé. Et Torobela, c'était dans le lancement. Il y a campagne de vaccination au Salami Lelo, na Unikim, et on va c'est les dire encore vaccin on a bat pas zone dimango facilement bat pas se faire vacciner bien que c'est volontaire et donc ceux qui sont peut-être en attente la population le gouvernement ça malheureusement les alors très rapidement tu peux simboler na maître Fabrice Pelende ou tu vois un roi génie. Maître Fabrice Pelende, bonjour. Bonjour, le Godoubou. Ah, tu aimes le roi génie, on t'appelle Moko, moi, Nézali, au PSA Makanisina, dans le Cambodge de Kanambo, en Abisso. Mais il y a une autre actualité. Actualité oblige. Le Cambo, il y a lancement de la campagne de vaccination. Et Salami, c'était hier, dans le lot, tout ça, mardi. Et ça volontaire, bien sûr, mais yo au moins on est en tant que citoyen congolais. Merci beaucoup Ndeko Doudou. Avant de poser la question à yo, on a d'abord pour vous remercier yo. Je pense que c'est le premier colébélé, tout le fil à TVT, en ayant la politique, tout le monde a ma activité personnelle privée. La profiter des missions, on a pu s'appeler Imbo Kabazola Ndabisomboke. Et je pense que nous avons toujours le bienvenu pour partager la thématique. Nous avons que dans le monde, on a obtenu le bel vaccin à COVID-19. Déjà, au regard de la situation de Nengelegui-Namboka, nous avons constaté que sur le plan social, l'impact vraiment à la mort honnête dans le monde et la salamité tout au début de ce jour. On a compris que les zones d'Afrique sont épargnées. Bon, tu habites peut-être par Providence en Zambie. Peut-être que tu as immunité, on est déjà dans l'immunité à malaria, tout ça. Donc, bref, on n'a pas subi des conséquences sociales, ni tout le monde. Mais comme un vaccin, ce qui était une éventualité, puisque tu as vu que le seul moyen pour stopper l'épidémie, il y a toujours un vaccin. Le seul moyen. Mais, oui, le seul moyen. Le seul moyen, plutôt, excusez-moi, mais tu as vu que. Le problème, c'est qu'il y a une controverse autour du vaccin. Vaccin Oyo, c'est-à-dire que le Roma dit déjà dans le Yamabe et les autres Mouni. Mais nous sommes des intellectuels, tout le monde sait que le vaccin est un moyen adéquat pour contrer l'épidémie, pour prévenir. Donc, il y a des gens qui ont été malades, qui ont été malades, qui ont c'est une bonne chose, mais tout le monde sait que la hiérarchie et l'application est dans la. Donc, le premier citoyen, des fois, là, c'est exemple, c'est le président de la République a un vaccin, un membre du gouvernement, un membre de l'institution nationale qui est provinciale, et puis tout le monde a un petit peuple comme ça, là, ça va quand même rachérir. Et on peut s'appeler moi confiance dans le chef de la population, puisque ce qui est vrai, ils appellent obligatoireté, mais caractère, non, déjà, ils ont. Et ils ont ceux so qui m'ont aligné à Bima, à la frontière, tout ça, il faut dans la Nango. Au moins, toutes ces mesures contraignantes, ils ont so inquiété un peu, et surtout pour la Batouba Bima. On n'a pas ça que vous avez monté, mais vous n'avez pas ça que les Libanais ont contraint de vous avoir vaccin. Alors, ce sont des choses où ils ont bien sûr manqué, mais en gros, ils ont tout pour le vaccin, ceux qui suscitent qui peur, c'est suite à mauvaise propagande ou bien réputation, il y a qui avant même. Donc, comme on a tout constaté, impact du coronavirus sur le terrain. Et nous saluons l'action du gouvernement d'être lancé vaccin. Bah, il y a bien basé la volonté ou bien basé la bosengi à cause de l'ango. Bah, personne agit surtout. Bah, qu'il ne cause un vaccin, je pense qu'avec Dieu, il va protéger et nous commander aux alentours. Très bien. Alors, tout cas, rapidement, là, il y a un gouvernement sorti d'ango investiture au FSA le samedi 24. Le député révolutionnaire, Bangobe Bazan, avec l'exigence de Bangobe Basengi, la même date coïncide dans la marche Oyo, la Mouka, Martin Fayoulou, Nadolf Mouzitou, a projeté marche Mongo Mokoloana. La vérité, est-ce que vous pensez, vous croyez que ça sera facile pour l'institut de Salem?
député révolutionnaire. Il faut dire clairement des députés mécontents, puisque tout dans la politique, il y a toujours des aigris. On ne peut satisfaire jamais tout le monde. Et même les députés, c'est bloquer l'action de la République à travers son tiers gouvernement. Et puis, il y a des députés dans la classe publique, les députés ont des moyens, des mécanismes, des constitutions PCP pour revendiquer les droits, entre autres, et des motions. Je pense que ceux qui sont suffisamment courageux, et qui vont dire qu'il faut nommer Babima, on va compter. C'est la motion. Et à ce moment-là, on verra, et vous allez avoir blocage en blocage. D'ailleurs, ce n'est pas une très bonne chose, hein, vraiment, yo député ou bloquer l'action du gouvernement pour yo zati. Même si ce sont dit que tout yaki, auto changer majorité, tout ça. Mais même, il y a même controverse autour, il y a parlement, voilà. Donc je pense que Bati Kamboka et Kendeli Bosso, ce qui est fait, bah, assumé, baza peut être député, baza batuya nzalate, baza peut être chômerté. Donc je pense que la vie continue. Toujours c'est l'investissement du gouvernement qui est dans le pays. Pour que vous puissiez vous indiquer ce qu'il y a un programme du gouvernement à travers vision et le président de la République pour que l'Union sacrée et que se matérialise dans l'installation du gouvernement. Avant qu'on y arrive, est-ce que les députés ou les révolutionnaires, vous allez vraiment droit au Sam Rambo, vous allez au parce que. Bah, là, combat. Ils ont participé à un combat, selon Bango. Il faut ce que vous allez récompenser. Est-ce combat, que... quand vous parlez de combat, pour Bango va gagner, toute République est gagnée. Donc je pense que nous devons aimer le pays. Puisque les députés ont pensé que l'année dernière, ils ont été battus. Ils ont été considérés pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que c'est le propre, ils ont vu que c'est Sony. On ne peut pas voir les têtes bloquées par des députés ou ils ont se soustraire. Et puis, ils ont tué Bissot Awa. Député dans l'attitude, il y a contesté sur le plan institutionnel, mais il faut se servir d'un mécanisme prérequis, des droits, il y a une émotion comme moyen de défense. Je pense que ceux qui sont suffisamment courageux, bah, ils vont abouti. Bah, comme ils sont en émotion, comme ça, tout le monde va voter le gouvernement, il y a ça malheureux, ceux qui vont être vraiment patriotes à ce moment-là, ou bien vous allez battre, vous allez prévenir pour l'intérêt de la. Puis on est au sein d'un peuple, à la vraiment regardant. Et ça va exaner, regardant, oui, investiture, oui, mais ceux qui sont d'accord. D'abord, on est mis cycle tout le monde à 500 députés. Il faut y aller. Moi, quand vous parlez des 100 et quelques, il y a une nombre exacte, ce n'est pas la majorité. Même la Constitution parle d'un quorum au moins de 150 députés. Et je ne pense pas que dans tous les 500 députés, on va pouvoir influencer. Même ceux qui ont posé la balance, ils ont toujours tourné autour. Il y a opprobre, il y a honte. Ils ont caractérisé la Sony. Pour finir par quoi, ils ont bloqué Mbokate pour eux à la ministre. Pendant qu'ils ont député. Et bon, ils ont été députés. Non, c'est de la méchanceté, c'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas aimer le pays. Bon, ils ont été députés. Ils ont été ministres, ils ont nommé Bango. C'est notre binôme, et beaucoup de mémo, on n'a pas président de la République. Donc, vous avez vu, à revoir, Nin. Allons, la ministre, n'a pas de binôme. La ministre, vraiment. Bon, on va à revoir. On va voir la Kimia. Donc, c'est-à-dire, il y a des marches, il y a ma patriotité, il y a des marches, il y a des scrupules politiques. En tout cas, le terme est approprié, vous allez voir. C'est pas trop fort. Non, mais comment on doit comprendre que nous sommes dans un avancement? Tout ça, on a la perspective Oyo. On cherche d'abord du temps. Et puis, Bino Bozoué, on a des astuces pour essayer de satisfaire Bino Batou. Les accords, les escroqueries. Donc, vraiment, le mot est fort, mais on n'a pas le choix de voir qu'à un certain moment, le pays cherche à avancer à travers Vision Chef de l'État, la Oui, Union Sacrée. Donc, il y a la perspective. Puisque, il faut tout préciser le mot en détail. Le contexte, où il y a de cela une année, deux ans passés, ils ont eu les outils. Avant, on parlait d'un accord où ils ont eu. Alliance machiavélique à travers l'ancien système à Kabila. Mais le lot Maramouana nous faisait tout ça dans autre chose. L'Union sacrée vient ouvrir des perspectives pour une nouvelle vision. C'est pour cette raison que mon MLCIA, tout ça, les alliances comme nous le voyons. Mais mettons maintenant les choses en marche. Tout à la première ministre, il y a un programme Nini, vision Mogoro dans la Nini. Allez, et puis on avance. Et je pense que même les députés en la place, il faut voir la Sony. Il faut voir la Sony. Vraiment, ce n'est pas bien. Alors, maintenant, le samedi 24. Marche à la Moka Adolphe Mouzitou, la Moka Martin Fayulu. Ils considèrent la même date. Bon, la date n'importe peu.
D'abord, on marche pour Bado Sala. Ils ont émaillé dans la raison beaucoup et noble. C'est-à-dire que j'ai entendu que c'est pour les atrocités à l'est de notre pays, bah, tuerie ainsi de suite. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et puis je pense qu'ils ont lié telle investiture. Bah, ils ont droit à Bango. Ils ont la latitude de le faire. Sauf à mon avis qu'ils sont appelés à marcher pour une cause juste et noble, pour l'intérêt à Mboka Nabiso. Ils peuvent le faire. Mais peut-être que la question se poserait seulement pourquoi choisir les jours pour investir le gouvernement. Donc c'est ça. Ce qu'ils ont sous-entendu pour et créer moi Léa et créer moi des hydrarates dans le gouvernement et Gobima. En tout cas, là, ça serait mal réfléchi. Moi, j'aurais peut-être souhaité, puisque Mboka est dans la penchée, dans l'action et l'investiture, moi, j'aurais souhaité baser la journée aussi. Puisque, un bazo, bazo tambola, n'a pas eu Mboka Congolais. Le Congolais va vous la concentrer dans l'installation et le gouvernement. Alors, pendant que le peuple va la concentrer dans l'installation et le gouvernement, Bino, bozo benga batu, baya ko marché pour la cause ya est. Où est-ce que ce sont nobles et que ce sont kaka ba Congolais? Vraiment. Pourquoi ne pas choisir un autre jour où le bâti qui investit sur ça, la macambe même Toebi qui s'oppose à cela? Et puis, pas le cas, Bousoussou, comme des marches de Bangoué dans nobles, les Congolais s'impliqueront à hauteur et à quantité de population. Donc, on a d'une part aussi, tout ce que ça sera conseil, c'est qu'ils ont besoin d'annoncer échec prématuré en marche de Bangoué. Puisque les Congolais, les gens, on a pour le premier ministre de Banine. Quel est son programme? Alors, il ne peut pas venir faire diversion ou se distraire, ce qui est tellement important pour le pays aussi, installation gouvernement, et puis Marma Est et ESAP est important. Je pense qu'on pouvait séparer ça pour un peu ça moins harmonie. Mais on peut saper bah il y a possibilité d'accueillir bah qu'on doit attentionner na bah des grandes problématiques pour ça na Mboka Nabiso investiture na question à Est. Voilà, question à Est. Non, on a fait notre proposition, non, peut-être vers la fin. Le 1er mai, Constant Moutamba, maître Constant Moutamba, Nojek, va projeter une sorte de marche pour la côte la Mbokanezo Kende, de l'eau de Matitalo, Kamambo, de Tamala Monte, maître Constant Moutamba, il y a Nojek, marche. Il y a un émission de Tumandaki. Il y a un salaire. C'est comme ça, c'est pour cela qu'on va proposer, va projeter marche Moko le 1er mai. Bon, ce qui est vrai, le pays a beaucoup de problèmes. On est toujours 40 ans, on a une crise multiforme. Mais il faut que la diversion est bien tout beau ça. Mais là aussi, le pays est dans cette situation parce que nous avons connu un système qui a pris le pays en otage. Où constamment, ils avaient des responsabilités. Je pense que ça, c'est fuir la responsabilité, échec, où ils ont caractérisé la personne. Les lois ça crée pour corriger, pour que ça la perspective, il y a Sika. Je pense qu'à travers un nouveau gouvernement, institution Sika, toujours escompter un développement intégral à travers le programme où le Premier ministre a remis ça. Mais pour yo kakeba o bazalaki à la commande et à la base de la destruction va organiser marche, je pense que d'une part ça doit aussi être une honte, va se réserver, va lukana nous va tala tant oyo gouvernement yokoya et kozwa si dans les jours qui viennent ça sera la même chose, puisque ça sera maintenant la première situation institutionnelle où Félix Abodala na les atouts et les attributs du pouvoir seul en tant que président de la République. Libosio Zalaki, il était président de la République, mais il n'avait pas les atouts et les attributs du pouvoir. C'était le système Kabila qui tirait les ficelles. Mais aujourd'hui, il est seul. Le peuple doit observer et faire confiance, puisque dans tous les cas, même si on est l'Union sacrée, c'était pour faire en sorte que le président n'ait plus à se plaindre que voilà, ça ne marche pas parce qu'ils ont bloqué. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ils ont Mboka Nabiso. Alors, Mboka Nabiso, ces hommes, c'était comment? Nous serons à l'aise du moment où le premier citoyen a dit que ça ne marche pas. Toujours dans cette optique de Mounagi MLC Ayaki, mais je pense que pour marcher, ils ont des voies
garantie réservée à tous les citoyens congolais, surtout ceux qui sont dans le gouvernement fondé. Mais le problème est que les personnes qui sont au devant de la marche, est-ce que ce sont des personnes accréditées, c'est-à-dire crédibles sur le plan de la population? Est-ce que les années battent des fois au bête de l'eau du soleil en Zala pour Bango Basala 18 à Babalé pour diriger et nous allons aller le Bango ne va accentuer en mot? Je pense qu'il ne faut pas dire une chose et faire son contraire. Mais on a dit la coalition FCK chez Zala qui va être rompu cette coalition. Mais coalition FCK chez Zala qui est rompue, bien entendu, avec l'ancien gouvernement. Mais aujourd'hui, nous attendons, nous avons un nouveau gouvernement. Attendons voir les perspectives. Il y a gouvernement au travers, il y a programme et autre chose. C'est-à-dire que Moutoussoura Yebike, il est accusé à tort. Que Makambo Tozo Salaboué, Soura Yebike, Ezaïeté. On va dans le calme. Mais ce qui Moutoubi, que Moutoua Linga Salaboué, comme Gauthier Babato dans les roues, ce qui l'empêche peut-être pas ça mieux que ce qu'il lui n'a pas fait. Donc, ces gens-là, surtout l'ancien Kabilé, l'ancien système, n'ont aucune leçon à insister dans la caméra à donner à notre population aujourd'hui. Parce que si on a un problème, c'est parce qu'il y a eu le système Kabila qui s'est imposé en violation, en prédation et en prise en otage du système politique nabisso. Donc, le lot a besoin, il y a une leçon à monter, va constater, que le mandat y a Félix Tshisekedi, le président de la République, parce qu'il compte en haut, tant que l'investiture est au Salema le samedi, il va compter pour que ça se fasse 5 ans. Qu'en pensez-vous? Non, mais c'est ridicule. Du moment où la Constitution parle de 5 ans pour un mandat présidentiel, et le mandat Félix est bandi en 2018, je pense que c'est en 2018 qu'il a prêté serment à comme président de la République. C'est à ce moment-là qu'il courait son mandat. Au contraire, lui, il a été prudent, il a coupé les là, il a lancé cri d'alarme avant que Gomanasuka. Si c'était d'autres personnes, peut-être il a forcé dans mon bon mot 2023, mais il a été quand même honnête de constater que ça n'a pas marché, à rompre accord le manège bloqué. On attend de lui maintenant de prouesses, on attend maintenant de lui le fait sur terrain. Il a matérialisé réellement vision où il y a qui n'a pouvoir. Si c'était qu'on l'ait bloqué avant, maintenant il est libre, il n'aura plus d'arguments. Et je pense que même dans 6 mois, on peut faire des grandes choses. Tout un exemple à Mangoufouli. Même dans 3 mois, on peut faire beaucoup de choses. C'est question de volonté, c'est question aussi de poser des actes d'abord au Kokende, dans le sens et intérêt à la population. Donc je pense que 2 ans et demi au président Félix Tshisekedi, c'est énorme et c'est assez pour tout comprendre réellement s'il est altruiste ou philanthropique dans le sens et intérêt à la population. Donc, au bas, on prémédité échec. Pourquoi? Parce qu'on a encore suffisamment le temps. Donc 2023, ce n'est pas aujourd'hui d'être au Lamgabo. Il faut 2022 et puis 2023. Mais tout ça, on a 2021. Donc, et puis 2021, on peut tout ça, on a Bandel. On n'a pas encore dépassé la moitié, le millier de l'année. Là. Il y a encore beaucoup de temps. Maître Fabrice Pelende, alors rapidement, vous avez bien parlé dans Kotala Rassiko, priorité, attente. Qu'est-ce que le gouvernement doit vraiment faire? Parce que la population a dit trop. Qu'est-ce que le gouvernement Sam Malukonde doit prendre comme suivre, peut-être l'orientation, orienter ce gouvernement par rapport aux priorités de la population? C'est une très bonne question. Je suis content que ce soit parce que c'est ça même le point focal. Moi, monsieur Eleki, ma compatriote, nous sommes journalistes. Je suis en train de soulever 3 piliers et ma mission n'a aucun accord. Pour soulever les 3 piliers au peuple azozela. Pilier Libosu est dans le volet social, pilier Mibali est dans le volet sécuritaire, pilier Misatu est dans le volet réforme électorale. Sur le plan social, tu yebi que le pays est dans une situation de crise catastrophique, amoindrie, déplorable. Le peuple est dans une paupérisation. On peut même dire que le peuple est dans une inanition. Parce qu'on a toujours constaté, n'arrière en avoir même on est bien dans le poteau c'est la pauvreté. Nous sommes en dessous, il y a pauvreté. Donc je pense que c'est catastrophique. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous avons proposé, il faut que le gouvernement a se basé sur les secteurs, il y a paysannerie. Puisque avant, quand on a développement, il y a membres sociaux.
L'État n'est pas ça là, qui est dans le Parlement. L'État a trois missions. Dans le pays Oyo et Vakapo l'intérêt population. Mission Libosu à l'État, c'est la mission gendarme. La mission gendarme, c'est-à-dire sécuriser la population, créer l'ordre social, la police, tout créer l'infrastructure à sécurité, donc tout ce qui a trait à la sécurité des citoyens, la frontière en Boka, armée Nabissé Fouking en Boka. Donc le peuple doit être sécurisé et se sentir dans un État. Ça, c'est la première mission de l'État. La deuxième mission de l'État, c'est au niveau providentiel. Comment l'État peut être providentiel? En assurant la survie sociale. Par exemple, pour créer une école, pour créer une université, pour créer un hôpital, pour créer un parc pour Nabana, pour créer une infrastructure adéquate, c'est-à-dire garantir la sécurité sociale, pour créer un centre d'hébergement, un foyer social, pour créer même une cantine publique. Si on a un bon côté, on a une place pour faire un lien, pour ça, la maison, on a un bon lien. C'est ça l'État providentiel, l'État qui doit garantir la situation sociale de ses compatriotes. Et le troisième pilier, la troisième mission plutôt de l'État, pour tout le monde dans la carte sociale, c'est l'État commerçant. C'est là où le problème, c'est là où les bas blessent. Ça veut dire? L'État commerçant veut dire que nous devons avoir l'État qui doit vendre. L'État où il faut dans la commerçant. Les entreprises publiques, il y a l'État, il faut fonctionner. L'État doit vendre. Ce n'est pas normal qu'au côté d'un supermarché, il n'y a aucun produit par l'État congolais. Au moins, il y a quatre jus, combien différents, mais il y a un encore. Les Indiens nous escroquent, alors qu'ici, on a tout pour produire. Donc, l'État doit produire. Tout ça, on a terre où il faut nourrir toute l'Afrique et même la moitié de la planète. Comment expliquer au Congo nous pouvons produire les riz dans Mabilo, tout ça, pour nourrir l'Afrique Mobimba? Mais non seulement nous ne pouvons pas le faire, nous exportons les riz et tout ça pour Fananzala. C'est grave. Donc c'est incompréhensible. Ce que vous jetez faute pas n'est pas Mundele, ce que vous jetez faute pas n'est pas Rwandais, non. Le problème c'est d'abord l'homme congolais. Il faut pour mettre en valeur richesse au Nzambe à Pessibiso. Le Oyo, nous avons la potentialité. Et là, on est dans un gouvernement à Salaïzine, on va fabriquer à Taba Congo, à Taba Ou, à Taba des millions de pièces, pas qu'à la paysannerie. Et puis, le secteur de l'agriculture, il ne faut jamais qu'on fonctionne, ce qui est infrastructure, ils ont accompagné en côté. C'est là, ils ont le moyen principal où il y a pour mes membres vers un développement. Nous devons relier nos provinces. Faciliter à ce que bateau va dans la petite agglomération, va atteindre de grande. Mais avec quel budget? Non, mais écoute, non, mais bon, moi, je vous dis qu'avec 5 millions de dollars, par exemple, on peut être en mesure de mettre une usine pour assurer la manufacturation quand il y a fabrication à Congo. Et aux autres, il y a des lambons, mais il y a des montagnes de sable de Mabanga dans le Congo. On n'a pas allé chercher toutes ces matières premières-là. Nous avons du pétrole. Peut-être que l'autre, il y a des machines. Alors que les machines, il y a des 21e siècle. Les Chinois, ça, la machine. Les Suédois, toutes ces histoires-là font des enjeux pour les infrastructures. Donc, il y a des questions, il y a des politiques, il y a des visions nationales. Et l'État, en sa qualité de commerçant, doit produire. Nous avons des rivières qui ont des poissons qui meurent. Mais ça comme coco, à couffiner pour tout me balayer et péter. Alors, on pourra produire, non seulement nourrir les Congolais, mais vendre à l'extérieur. Congolais, le latéral, Congolais, le latéral, on est incapable de fabriquer même des bouillons. Au cours de ce que je vais le mettre au monde, ça ne m'est pas indien. Comme il a ces beltescos, ce ne sont pas des Congolais. Donc c'est-à-dire que les Congolais ne s'est rien transformé. Du moment où le Belge a développé ce pays, rien qu'avec l'agriculture, puisque Eveya Kautu, Babana Golonango, Mundela Yakuta Monazamba en petite proportion, mais Alonabambi ou Babanzetambi là, et il a développé le Congo avec ça. Quand les Belges étaient à la commande, Marma Minéral, le Loïs Alagate, mais aujourd'hui nous sommes dans un boom économique. Nous avons des minéraux convoitisés dans le monde entier. Électronique, alléluia, moukili. Et ça, la manaba minéraux, au Congo, ça en abondance. Les coltans, les colbas, les zinc, le manganèse, toutes ces histoires-là. Au début, il y a un peu de galélo. Le lomi tout comme monde, c'est comme la batterie. Mais matière principale, la batterie, le cobalt, se trouve au Congo. Et je pense que ceux qui sont sérieux, on pourra faire de cette situation une boom économique net au monde dans les pays arabiques, bah Dubaï, bah Qatar, tous ces pays, ces Émirats là, Arabie Saoudite, tout ça. C'était le pays pauvre aux années 70, de Godoudo. Les lots, ils se sont relevés parce que nous avons pas si bonne chance à cause de la pétrole qui est convoitisé dans le monde. Mais c'est la même chose avec nous. Aujourd'hui, nous avons des minéraux à 90% aux Angola, au Congo. Mais nous devons être un pays riche.
nous devons être un pays qui doit en bénéficier. Mais c'est au bénéfice des multinationaux, nos voisins sont en complicité avec Banamboka. Et tout ça pourquoi? Parce que le Congolais n'a pas encore intériorisé l'espace de l'unité nationale. Donc je pense que l'émission de l'État est tellement importante qu'on a un peu essayé de balayer. Ils ont la décision où l'État doit faire respecter Moté. Le pouvoir de l'État va être dans le lingue yako faire respecter la loi où l'État a tient en place. On a pu exemple par exemple le président de la République a levé à partir de l'eau pas au privé que ça la société. Bah mais qui coûte ça un mois, deuxième mois après Kené Awa va pas au privé une saison et va nous sala. Mais où est l'État? Est-ce qu'il est vraiment l'État? Ou bien c'est un problème des individus, c'est un problème des individus. Il y a toujours un même bateau dans l'animateur et dans l'institution, il y a un salaire la mboka. Et ceux qui sont dans la décision, il y a un qui est habilité à briguer un poste de responsabilité ou pas. C'est question de la vision. Vision, tout le monde est la vision, union sacrée, il y a Félix Tshisekedi. Je pense que vous allez matérialiser à travers le gouvernement de Nazoloba, mais la responsabilité finale lui reviendra à Moïse Katumba Lobaki, qu'en 2023, le peuple demandera, posera la question à Félix Tshisekedi. Et vous allez dire que vous retournez à Bemba, non. Vous allez retourner à Fayoulou, non. Vous allez retourner à je ne sais qui. C'est à Félix qu'on va poser la question en 2023. Alors je pense que nous sommes là pour œuvrer et pour accompagner Vision One. Voilà. Là, nous étions dans le plat social. Ok. Il y a aussi le deuxième pilier, le volet sécuritaire. Là aussi, il y a à boire et à manger. Et là aussi, vous pouvez nous faire des propositions, même mais au gouvernement. Justement, puisqu'il s'agit de cette émission, nous avons le gouvernement. Pour l'Est. Pour l'Est, la sécurité. Proposition, c'est laquelle? La sécurité nationale est en bril, la sécurité nationale est en péril. Tout y est dit qu'aujourd'hui, chaque 10 minutes, comme on l'a dit, on l'a chaque 10 minutes, il y a des gens qui sont peut-être bombés sur le monde, qui sont 4e moto, qui sont 5e moto, qui sont 5e tout ça. Ce sont des faits récurrents où chaque jour tout le monde a. Mais nous devons connaître d'abord l'origine de ces histoires-là. Bisoto yebi ke el to uti ba ba guerre ba San City to ya to le bato ça la mixage brassage mixage à armée ba ndoko na biso ya système Kabylie. Ils n'étaient pas honnêtes, ils ont mélangé les notes armées avec les Rwandais et tout ça. Ma baignon, c'est encore qu'à Kabila. Mais ce sont des éléments. Ils sont MLPC, MLCP, tous ceux qui sont en rébellion. Mais les gens qui ont été Soudanais ou Ougandais sont liés à MLC. Aujourd'hui, nous avons des Rwandais liés avec l'ancien pouvoir. Donc ce sont des histoires où ils ont parmi les éléments de taille et salique. Infiltration, trahison, n'a pas eu de côté quoi pas minéré, où l'État bénéficiait. Donc l'État doit mettre en place une armée dissuasif ou le bang et d'abord banguna et puis tout au sein de la présidente de la République ayeba pour ça la permutation surtout avec officiers militaires ce qui va le vivre dans la Congolais maintenant on va remonter dans bloc ouest parce que ça la musala na bandon parce que ça musala équateur bah au bas dans la bandon le baba pour maintenant on va en est comme ça ils ont armé en boka ils ont territoire national tout au yeba n'est pas contrôlé mais les mawana. Je pense que le volet sécuritaire est un peu trop complexe. C'est vraiment des choses où ils sont sensibles, surtout pour la sécurité nationale. Et vous savez, nous, Congolais, nous sommes unis. Nous sommes unis en fait, que tout démantelé, tout identifié. Parce que c'est normal, tous les officiers dans la 4e armée qui sont en connivence avec l'ennemi. En connivence, c'est-à-dire, tous les autorités qui sont coopérées dans Munguna. Mais pour gagner un ennemi, c'est compliqué. Et sur le landi politique, on peut bah oyo bah bêta comme vous mangez tout le baga bah on va pousser la rebelle bah moi gagner bah vous mak maman là oui bah comment peut-on gagner ça. Donc les acquis politiques pour vous qui est un peu fou dans ce système et face à la MONUSCO la MONUSCO d'ailleurs c'est la plus grande catastrophe humanitaire puisque on ne peut pas comprendre avec une mission de 17 000 hommes. La plus grande mission des Nations Unies dans le monde, le plus grand contingent d'ailleurs, ils ont à Congo où il y a des guerres, chaque 10 minutes une personne meurt. Mission Mounene Bongo, il y a ONU et dans la mission, il y a observation. Observation, c'est-à-dire que ah, tu as ça permet un mandat pour réagir. Mais ça, c'est une complicité de la communauté internationale. Alors, en résumé, l'ONU, c'est un sanctuaire pour des criminels, c'est un sanctuaire pour des pillages économiques à Congo. Donc, on a dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Alors, puisque pour défendre les territoires nationaux, on n'a pas besoin de la MONUSCO. On n'a pas besoin de. Lumumba a bien gagné, bah, on va y aller. Pour la nuit.
Bayaga air ba problème est bandi alors qu'il fallait bayaga. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses pesa autour ya Monisco et ba pays où il y a radical guerre to mona ba Monisco na sol na ba moti. Les Angolais ont fait partie la Monisco et quelques temps après guerre ici là na Sierra Leone c'était la même chose. Donc la Monisco n'a pas vraiment aidé le pays surtout il y a tiers monde de ce rôle précisément africain. Pour quelle raison? Pour mettre en déroute bah, dictateur. Pourquoi? Mais c'est une complicité internationale, c'est ça maintenant le problème. Nous le disons parce que nous sommes intellectuels. Doudou, nous sommes tous dans ta génération, monsieur. La minute où on ne peut que critiquer et dénoncer, nous ne sommes pas encore à la commande. Mais c'est une éventualité, bah, il y a une génération qui connaît les choses. Donc je pense que la situation à Monisco est la situation où ils allaient qui entretenir la Kabylie parce que. Au moment où on a dit que nous avons reconduit ça, et que nous avons dit que donc je pense que la raison d'être dans la Mabélé est exactée, parce que tout ça, l'armée est censée défendre la Bissau. Et même l'article 5 de la charte à ONU, il dit clairement que chaque État membre des organisations internationales a le droit de faire cesser une agression. Ils ont le droit de se défendre. Pourquoi nous ne nous défendons pas? Surtout qu'il y a un conseil, tout qu'il y a un consensus de l'organité. L'issue favorable, c'est la guerre. Pourquoi pas déclarer la guerre à tous ces pays-là? Donc je pense que vous allez avoir moyen de vous recouvrir sur la nation d'Abisso et il y a pour ça la Kiba n'a pas profité de ma belle n'a pas mon exemple. Voilà, alors. Il reste aussi le troisième pilier, le procès électoral. N'habitez ceux qui. Oui, c'est bon. Si je peux entamer aussi. Parce que cette proposition-là, il y a Martin Fallu qui avait proposé, je ne sais pas. Vous proposez autre chose? Bon, au Parlement, quand on parle de réforme électorale, nous devons savoir que ça doit tourner autour du système politique au sens de voter démocratie. La démocratie, c'est-à-dire que c'est le peuple qui est souverain, détenteur du pouvoir, c'est lui qui donne son mandat, Nabato Yasengi va représenter. Et à part Sandang aussi, qu'on avait, il était à l'Assemblée pour nous présenter le problème de Yasengi, Nanga, je ne sais pas s'il pouvait aussi réagir, aller devant la députée pour nous représenter Makamnyo Sonegi. D'abord, la loi parle du début de la législature. Donc, ceux qui ont lecture, si la législature est bandie, il faut un rapport. Mais en tout cas, moi, les statuts, et si là, il y a des statuts déjà passés, c'est déjà une violation sur le plan des droits, sur le plan de la procédure institutionnelle, a violé déjà le principe. Et Nanga vient, il vient à Yena Lukuta Nyon Samukili. A Tikali Goloba vérité, d'abord, présence n'a pas été vraiment, comment je peux dire, honteux, il y a au moins un moutoune qui n'a pas défendu l'élection. Ce qui m'a dit dans la situation catastrophique, les gens qui ont concouru à cela, ce sont des Nanga. Il y a des députés qui ont nommé les bisous, des criminels économiques, des bombes, des sénats, des députés, des députations nationales. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faudrait donner un sanctuaire à ces anciens criminels. Et c'était parrainé par Nanga. Des députés qui ont la couleur de la population. Des députés qui ont investi le gouvernement pour y azater. Ça, c'est quel type de député? Mais c'est l'héritage de Corneille Nanga. Mais ce sont des gens qui ne sont plus dignes de nom. Ils ne dira jamais la vérité et il n'a même pas dit la vérité. Je pense que tant qu'il n'y a pas de réforme, il y a solo. D'abord, puisque ce sont des gens qui ont en complicité avec l'ancien Kabylie, puisque au moins il y a une consolidation du système démocratique, il y a ce qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie. Mais institutions où il y a pour appuyer la démocratie pour être réellement crédible. Et vous voulez quoi qu'on dépolitise là, entre autres, pas dépolitiser la CENI, la Cour constitutionnelle, hein, et l'autorité visuelle de médias, bah, journalistes, et bien, non? C'est ça. Vous avez un pouvoir institutionnel d'appui à la démocratie. Vous êtes des acteurs majeurs, mais bon. Vous comprenez bien, journaliste était. Vous n'allez pas chercher l'information, mais vous commentez l'information. Vraiment, moi aussi, j'ai profité de cette émission. Il y a pour ça l'observation de la journaliste. Les journalistes sont des personnes qui sont des OPJ, des enquêteurs de l'information. Je pense que Nangazaki n'a pas 40 CBL, mais les journalistes ne nous ont pas aidés à démontrer ah, Nangazaki, ça, la salité. Donc, tous ces éléments-là, ils ont un pouvoir et audiovisuel. Oh, bino bozab animateur. Constitution de Sengi bino bolan de la démocratie. Mais tout le monde a dévié bino nyoso. Et à qui que ça l'association même n'a pas juge à cour constitutionnelle ou bébé si soumission à Bango pendant que Bango va âme de la nation garder des valeurs institutionnelles et la nation, mais ils ont failli
et tout moni que bah qui est interprété bah l'homme monsieur Somabe ou est celui qui bah écarté bah challenge monsieur Somabe qui favorable na cause parce que bah ben est au banga kaka tout le temps avant d'emboucar moi d'emboucar Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi, il y a même des députés provinciaux et il y a même des députés monsieur Somabe provincial excusez moi députés nationaux monsieur c'est de l'eau bah dans un problème donc ils sont nombreux parce que il y a la volonté d'un individu qui n'a pas voulu. Mais aujourd'hui nous devons corriger tout cela. La loi Lutundu là ayez qu'on mette en musique cette histoire des réformes, après six propositions. Mais proposition n'a été l'un de la valeur et correspond à l'égalité des chances dans l'intérêt général. Donc je pense que réforme, oui, mais de bonnes réformes. Puisque Bissou, c'est le tour de si tu vas dire que tu as la loi sur mesure, il y a battu. Le bivatouana, on va rouler, on va retirer les sous-bateaux, il y a problème. Alors ça sera la même chose, ça sera une routine. Donc je pense que le pays doit être propice pour tous les Congolais, pour tout le monde, au regard. Il y a égalité des chances au yo et puis ça met la constitution. En termes de conclusion, on a de la Mouka, El Moïse Katumbi, El Adolf Mouzitu. En termes de conclusion, tout ce que ça a, quel conseil? Il y a la Mouka et là, il y a la Mouka, tout à l'heure, surtout sur le plan des textes et des droits. Excusez-moi, des droits. Pourquoi dans le Bibongo? Je pense que le peuple Aïeba, que nous ne mettons pas les gens en confusion, mais nous essayons de faire comprendre à la population quels sont les enjeux politiques de l'heure. Klamouka est là qui est organisé par un statut, ou est là qui n'a pas prescrit. Puisque en gros, on dit que les textes concertés entre partis font preuve d'une loi. C'est même au-delà de la volonté des juges. Donc, c'est-à-dire le contrat est la loi supérieure des partis. Au Boyokani, c'est ce qui doit s'appliquer. Ça relève même du jus cogens, donc le principe de pacta sunt servanda. Les accords formés de bonne foi entre partis doivent être respectés. Mais ici, on voit nulle part où Bemba et Katumbi ont violé les textes de la Mouka. Parce que l'article 6 dit que non, voilà, chaque leadership a une autonomie, il y a composé un acte en dehors, il y a la Mouka. Et le même statut dit que non, voilà, parce que dans le rapport 6 mois, il y a un président, parce qu'il s'agit d'un président, et ça, on a automatiquement, sans passer par des cérémonies ou bien des mécanismes de passation. Mais nous, on n'a pas violé ces textes-là. C'est ce qui s'applique, mais au contraire. Réunion. Non, on retourne aux questions, il y a aux journalistes, mais peut-être tout n'est pas bango. Sur base de quelle loi, sur base de quelle disposition, au Martin Fayoulou, à Longoli, Bendele et à la Mouka, à qui n'en pas Mouzito, sans qu'à passer par Moïse Katumbi. À l'année référence à texte. Après Sepengé, après l'émission au Saginaé, trois fois convoqué réunion, c'est présenté Bemba, Moïse, c'est présenté à Guité, à trois reprises. Et à part ça, tant que vous avez dans le présidium, comme coordonnateur, à Chandaki, le courant de la passation sans automatique. Et comment qui bouge direct? Il est mort pas à Chandaki. Et Chandaki déjà. Bon, R. Chandaki, vous voyez mon coup. Les autres leaders, trois fois. Les autres leaders, Tchaki Mokolo, tout le monde va le voir. Ils ont signé. Bon, là, Epengé, il doit aussi répondre. Ça va répondre à cette question. Qui s'engage et qui s'oppose au tiers, et ça, on voit la signature des quatre protagonistes, à savoir Bemba, Katumbi, Fayoulou, Mouzitu. Ce qui commence à de manière personnelle, de manière unilatérale, au Batumoro Bouyeba Sangani, parce que Bangomoko sans force de loi, ça les logos. Mais c'est une violation flagrante. C'est d'ailleurs très dangereux. Ça, c'est même de l'escroquerie politique. Donc, ce n'est pas normal. Il y a controverse du moment où, puisque nous comprenons la population, du moment où la Mouka s'est définie comme une formation politique de l'opposition. Mais nous ne sommes plus dans le même contexte où on s'opposait à l'Union sacrée. Il n'y a pas ça, la Union sacrée. Il y a aussi une question de réponse dans les Awana. Nous combattions l'ancien système Kabila, où Félix a été s'est grévé, à Bakissa mis dans le système Ouana. C'était ça le combat de la Mouka. Mais l'ancien système est tombé du moment où Félix n'est plus avec Kabila. Donc on n'est plus dans le même combat, on n'est plus dans la même longueur d'onde à combat. On combattait Kabila, Kabila n'est plus. Est-ce qu'on doit garder la même teneur du combat? Non, nous devons nous adapter à la situation politique. La situation politique est l'élo et ça. Vérité de juin, vous dites qui va résister en l'année. L'espoir pour l'année. Pourquoi beaucoup la vérité de juin est-il à soukate? Mais d'abord, Martin Fayoulou, qui est l'état signé, la vérité des urnes est signée. Et ça, au moment où vous avez fait ce bâche, c'est très pertinent. Si on a bien à Kotawana, on vous démontrera à combien même Martin Fayoulou a violé les statuts de la Mouka. Comment ça? Et Martin Fayoulou, qui est l'état signé, pour n'avoir pas d'idée, il dit que la vérité des urnes est finie. Alors que c'était un principe de fond. Dogme, il a partagé la formation de la Mouka. En ce moment-là, est-ce qu'il avait consulté Bemba?
c'était une violation ou pas. C'est-à-dire s'il fallait tout cela entre les bisous pour tout décider les camps. Martin Fayoula qui a écouté en attendant, il va dissocier Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il est allé voir Bemba ou Katumbi pour dissocier Félix Tshisekedi? Il l'a fait seul. Est-ce qu'on a une réaction à Bemba ou Katumbi? C'est-à-dire qu'il était dans ses attributions, il était dans la latitude de poser cet acte en tant que président à SID et non président à la MOU, et non coordonnateur à la MOUKA. Est-ce qu'il y a un hommage autour de l'association à Tshisekedi? Alors que c'était des faits graves. Pour ce qui est Félix Salomé, qui devait remplacer à ce moment-là Alexis Thambwe Mwamba, est-ce que c'était ça le combat que nous avons mené? Bon, nous on a fait le dessin un problème. Pourquoi nous nous sommes allés en concertation avec Félix Tshisekedi? Où est-ce la plénitude, dans l'attitude, en tant que leadership politique, tout ça là yango? Où est-ce que ça doit poser problème? Alors pour conclure? Pour conclure, je pense que le peuple force à la confiance. Nous sommes dans une situation transitionnelle. Gouvernement où il y a des transitions parce que le vrai système à combattre c'était la cabine. Oui, maman Eva Zaïba, l'environnement. Tout à fait. Donc, nous avons profité pour saluer Bato Baza promis dans le ministère. Je pense que le MLC a la responsabilité à travers maman Eva Zaïba, la vice-ministre de l'environnement. Nous le soutenons tout PCK a soutenu Nabisso, toujours soutenir à travers lui. Pour les communs, puisque c'est une dame de fer qui a toujours montré à suffisance combien elle est patriote. Et tout ça, le docteur Jean-Jacques Mbongani, c'est un grand médecin. Elle a parmi les rares médecins dans la clinique privée en Europe. Et expérience sur le plan médical, et ça, il y a pauvreté. Attendons les voir à l'œuvre. Et tout ça, sous la vice-présidence, la vice-ministère intérieur avec l'Ibobé. Je pense qu'il y a, malgré la vice-ministère intérieur, il a aussi des responsabilités à partager, à défendre dans le bilan de l'Union sacrée. Donc, bref, l'objet et la quintessence de l'Union sacrée sera déterminant au travers du programme et du gouvernement. Donc, par conclusion, Bahimbo Kabazela, gouvernement et Gotchanine comme programme. Nous, nous avons fait que proposer au Yogina Lobby, c'est une technique de projection, on a relevé trois piliers, mais le vrai travail reste au gouvernement qui sera investi. Merci, maître Fabrice Pelende, cadre dans le mouvement de libération du Congo. Merci, abonnez-vous massivement sur le Montir TV et chaîne YouTube. La réaction à Bino, numéro de l'affiché, comme vous pouvez la biso, dans +243 89 61 52 634. À la prochaine occasion. Merci beaucoup, M. Doudou. Merci encore d'être venu, d'être passé pour Oyo Kabavi Nabisso. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Merci à Mourou Ndjambe, Alain Kabongo.